Yo, what up, c'est le boy Chris KG. Vous êtes sur savianbelieve.fr. Donc, je me présente, Chris KG. Je suis un artiste signé sur Radio Music, label indépendant avec mon groupe Prince. Ça fait 5 ans que je fais du son à peu près. Je suis sur 400 plus T, la 5ème de City. Frais, c'est vraiment l'univers dans lequel je me suis lancé dans cette mixtape. C'est l'univers qu'on a créé avec mes potes, l'univers posé, l'univers tranquille. C'est vraiment un petit monde qu'on s'est créé. Frais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est mec bien ou quoi? Frais, ça fait quoi? On est là, vous êtes tranquille. Je raconte la vie, je vois que tu kiffes toujours. Vraiment... les rageux, je les aime aussi, je vois qu'ils crient toujours. Qu'est-ce que swag de la part? Donc le swag, c'est vraiment un délire entre le pote et moi. On se réunit, on se pousse. Il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut, il y a à bouffer, il y a de la bonne musique. Et voilà, on discute, on tape des bonnes soirées, c'est vraiment une petite soirée entre guillemets, c'est vraiment le swag dans l'appart, c'est en swag l'appart qu'on rend propre. Yes, j'ai eu l'occasion pour cette mixtape d'affecter deux artistes de la région, donc d'apprendre ce qui est membre de la musique, et Pinty, qui. Pinty, s'il faut savoir, c'est qui devait être dans la mixtape Blé d'Arbeux. On a déjà discuté histoire de faire un petit taf ensemble. Mais ça s'est pas concrétisé parce que j'ai précipité la sortie. Donc il n'y avait pas vraiment eu l'occasion. Donc on l'a dit, tu sais quoi, on va retaffer peut-être après. Et voilà pour cette mixtape. Pour cette mixtape, il avait parlé de swag de la part. Il m'a dit il kiffait bien le délire. Donc quand j'ai pensé au mix, je vais proposer un petit ici, je vais faire un petit truc. Les choses se passent. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir faire. Donc sur tous les refrains et toutes les prods sont effectués par Corbett. Donc Corbett, c'est un assez bon pote à moi. Ça fait 2 ans que je travaille avec. C'est un beatmaker signé, c'est Universal. Donc voilà. J'ai des bons contacts, ce qui fait que il m'envoie de temps en temps des morceaux. Il me dit vas-y, tu sais quoi, fais un petit truc dessus. Et balance-le, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour ce projet, je voulais vraiment faire un truc différent. T'as fait un producteur, t'as fait avec une seule personne au refrain. Je prétends pas les gros, je m'emballe les couilles. Ces MC sont dans mon walk, ramène les nouilles. Qu'est-ce qui est différent sur ce projet? Il y avait Blé d'Arbeux, Blé d'Arbeux 1, ils faisaient du Blé d'avant. Donc ça ferait. La différence de ce projet avec les autres, c'est tout d'abord la maturité que j'ai apportée sur la mixtape. Donc maturité vis-à-vis de l'écriture du texte, vis-à-vis aussi de l'écoute en petit comité avant de balancer les morceaux histoire d'avoir des critiques de l'extérieur. Et finalement la maturité de l'enregistrement. Donc l'enregistrement a été fait dans le studio pro, le studio pro. Et voilà ce qui est différent vraiment la mixtape frais de tous les autres. Donc dans les masques c'est vraiment pour contraster ceux qui font la musique par amour et ceux qui font la musique plus pour la vie que ça apporte pour que d'autres. Et où est-ce que je me situe par rapport à ça? Il faut savoir avant tout que j'aime la musique plus que tout, et toute personne qui aime quelque chose est obligée de l'avoir pour tirer jusqu'au bout, donc l'emmener au summum. Et on est obligé de passer par cette case. Donc là le tatou, les gens me disent que je suis fou d'avoir compris mon blague. C'est vraiment pour revenir à ce que je disais pour les masques. Je fais du sang parce que je kiffe ça plus qu'autre chose. Et Chris KG, c'est une étape de ma vie qui me marque. Meilleur morceau de la mixtape, il n'y a pas vraiment de meilleur morceau de la mixtape parce qu'ils racontent tous une histoire différente. Donc c'est des moments que j'ai vécu à un instant précis, que j'ai aimé. Et à chaque fois que j'enregistrais, c'était les meilleurs morceaux.
mais j'ai pas de meilleur morceau parce que bah, je les considère tous de la même façon. Projet après la mixtape, j'ai déjà commencé à faire la com de celle-là. Après, je sentais du plus tard, il y a la mixtape de Daprince qui arrive, donc je suis sur quelques morceaux. On va travailler dessus. Quel artiste français? Je vais vous dire les artistes que j'aime beaucoup en France. Donc, côté rap, c'est vraiment Youssoupha. Youssoupha, j'aime bien le délire, j'aime bien l'écriture, j'aime bien le talent, l'énergie. Donc, ouais, t'as fait Youssoupha, ça c'est plus qu'un rêve. Il y a Gims. Gims qui est pour moi, je pense, l'artiste français dans le milieu hip hop le plus talentueux. Allô, y'a tout à fait. Donc, faut savoir que cette mixtape, j'avais commencé à écrire depuis novembre avec Swag de la Part. Donc, j'avais déjà préenregistré quelques morceaux que j'ai sortis en clip, donc Swag de la Part et Lizzie. Et la mixtape a une semaine d'enregistrement, une semaine de la sortie plutôt. La sortie, j'ai eu une grosse opportunité de pouvoir la réenregistrer dans un studio pro, donc les studios blancs. Et je me suis calé un jour, un samedi, où le mec m'a dit clairement, t'enregistres la mixtape, si tu peux le faire un jour. Et voilà, je me suis levé tôt le matin et je suis parti. J'enregistrais la mixtape en une journée. Voilà,